www.casarema.fr. Voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait. Donc, mesdames, messieurs, nous sommes venus accompagner Christ J. Bokeli. Elle aurait eu 4 ans le 27 août. Elle avait 3 frères. Rojima, Elikia, Rodrigue. Elle avait une sœur également, Stéphie. Tout à l'heure, nous avons prié. Et nous allons continuer avec le pasteur Gilbert. S'il vous plaît, Gilbert. Pensez à notre fille qui nous a défoncés. Nous ne disons pas qu'elle est morte, mais elle nous a défoncés auprès du Seigneur. Parce que Dieu a fixé un temps pour chacun de nous. Et à l'heure que Dieu a fixé, notre fille nous a défoncés. Mais je vais citer un texte biblique qui nous dit seulement que, à cause du péché, l'homme qui a été tiré de la poussière retournera dans la poussière. C'est la parole de notre Seigneur. C'est pourquoi, nous, étant chrétiens, nous ne nous posons pas la question comment, pourquoi, toutes ces questions-là que les païens posent, nous ne les posons pas parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Amen. C'est lui qui nous a appelés. Il nous a dit, je vais vous préparer une place et je viendrai prendre chacun de vous individuellement. Bien-aimé, Dieu nous avait donné cet enfant qui était pour nous un témoignage. Nous avons écouté le témoignage de papa et de maman. Comment est-ce que notre fille, Christ vit, vraiment était une bénédiction. Elle était, nous croyons comme le pasteur avait dit hier, Pourquoi Dieu a voulu que Christ vive soit là et qu'elle ne vive que 3 ans? Et je pense, il a dit, je pense que Dieu voulait passer un message aux parents et à nous, toute la famille qui est là, que le temps appartient à Dieu. C'est pourquoi nous devons nous poser des questions. L'homme de Dieu, David, avait dit ceci, « Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. » Bien-aimés, ne croyons pas seulement que cela arrive aux autres. Cela peut nous arriver aussi. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Étant chrétiens, nous devons être toujours là pour glorifier le Seigneur notre Dieu, être reconnaissants de ce que le Seigneur fait dans nos vies, car tout ne s'arrête pas ici. Un jour aussi, nous partirons, nous irons. Mais il faut passer par la mort, afin que nous puissions commencer notre vie éternelle, que nous soyons là où est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle de Jésus. Que tout ne s'arrête pas ici, mais il faut passer par la mort afin que nous puissions expérimenter la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu est avec nous, il est notre Seigneur. Nous sommes là pour encourager nos bien-aimés. Nous sommes là pour dire que Seigneur, tu nous avais donné notre enfant, tu l'as repris, que toute la gloire te revienne. Mais à nous qui sommes restés, Seigneur, fortifie-nous afin que nous soyons les témoins. Que nous ne soyons pas seulement ceux qui vivent la vie de chaque jour, mais que nous ayons un but, le but de Dieu, le salut. Et puisque nous avons l'assurance du salut, nous allons partager cette parole aussi aux autres, afin qu'ils vivent. La seule bénédiction que tu peux donner à ton frère, c'est de l'amener à Jésus-Christ. C'est de l'amener à Jésus-Christ. Ainsi, mon frère, ma sœur,
soyons comme les parents de Christ vit, qui l'amenait toujours à l'église. C'est ainsi que Christ vit témoigner son amour auprès de notre Seigneur. Elle chantait la gloire de notre Dieu. Elle était là pour prier avec les parents. Elle était là. Le frère me disait, papa, tu sais, deux fois, quand je voulais manger, c'est elle qui venait. Papa, on va prier. Papa, on va prier. Si nos enfants ne sont pas éduqués dans l'évangile, dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, ça sera triste pour eux et aussi pour nous. Mais Dieu qui est avec nous, il nous accompagne toujours, il nous encourage toujours, afin que sa gloire puisse se manifester dans ce monde où le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Mais nous devons proclamer que Jésus est le Christ. Jésus est la solution au problème de l'humanité. Jésus est venu afin que toute personne qui croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, hein? Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Nous allons chanter un chant que je vais entamer et puis ensemble, vous allez prier après moi. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. J'entends Alléluia, 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 Alléluia. Jésus notre Seigneur. Alléluia, chantons Alléluia, 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 Jésus notre Sauveur, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, en Jésus. Dans le monde, le président peut te décevoir. Le prince peut te décevoir. Un homme, un ami, un parent peut te décevoir. Mais Christ ne te décevra jamais. Jamais. C'est pourquoi, quel que soit ce qui nous est arrivé, nous disons aux parents, non, Dieu ne vous a pas déçu. Dieu ne nous a pas déçu. Mais Dieu qui est avec nous, il nous donne la force pour nous lever. Pour dire, quel que soit le problème qui peut nous arriver, puisque Christ est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Il nous dit, même la mer ne peut pas nous submerger, même la terre ne peut pas nous engloutir, même le feu ne nous consumera jamais. Voilà ce Dieu-là que nous adorons. Voilà ce Dieu-là que nous glorifions. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Que toute la gloire lui revienne. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Amen, 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 amen. Mais ses disciples ont dit, laissez le maître, n'importunez pas le maître, il est fatigué. Mais Jésus a dit, laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants venir à moi. Aujourd'hui, notre enfant qui nous a dévancé, cette parole s'est accomplie en elle. Elle est maintenant auprès de notre Seigneur. Et un jour, comme nous dirons aussi, comme David a dit, l'enfant ne reviendra plus à nous. Mais c'est moi, nous qui sommes là. Alléluia, Alléluia, oui, plus près de toi. Je prie de toi.
L'écriture déclare, l'homme a été tiré de la poussière et c'est dans la poussière qu'il rentrera. Seigneur, merci parce que tu nous permets aujourd'hui de pouvoir encore expérimenter la véracité de ta parole. Tu permets aujourd'hui que, Seigneur, nous puissions ramener le corps de notre enfant dans la terre, d'où le corps de tout homme a été tiré. Une fois de plus, Seigneur, nous voulons te dire merci. C'est vrai que nous pouvons dire qu'elle n'a vécu que 3 ans et demi. Mais dans les 3 ans et demi, Seigneur, tu as fait des choses dans nos cœurs, dans nos vies, qui dépassent ce nombre d'années. Seigneur, nous savons et nous croyons, Christ vie a été un enseignement pour plusieurs. Même en ce jour, au jour de sa mort, au jour de son enterrement, il est encore un message pour plusieurs. Seigneur, ce message puisse être gravé dans nos cœurs et dans nos esprits, et qu'après toute cette cérémonie qui tend ce lieu, que cela ne nous laisse plus jamais tranquilles, jusqu'à ce que, Seigneur, que nos cœurs soient réellement plus près de toi. Donne à tout un chacun de nous de se souvenir comme le pasteur a prêché. Nous sommes venus déposer le corps de Christ. Mais prochainement, ça sera le corps de l'un d'entre nous qui sera déposé. Seigneur, une fois de plus, aide-nous à compter nos jours afin d'appliquer notre vie à la sagesse. Merci Seigneur. La suite et le reste du programme, une fois de plus, sous ta grâce et sous ta direction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Eh Yahweh onde osala botama ekozala katango ya isengo liwa ekozala katango ya kolela naleli mamie esopie okenda na yoe eh Yahweh onde osala libala ekozala katango ya isengo divorce ekozalaka tango ya pasi na leli mama e papa e motema si eya we yonde usala kozua ekozalaka tango ya kosepela kozanga ekozalaka tango ya kokanisa Jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache que demain tu passeras en jugement devant le roi des rois et ni de ses propres biens, car tout ce que l'on trouve ici-bas, on ne l'amène pas dans le séjour des morts. Nous ne sommes que des simples gérants. Kumama Yahweh, Olonga Mokili, Kumama Yesu, Olonga Liwai, Nanzela Nayoe, Tozui Bomoi, Nanzela Nayoe. Je me réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache que demain tu passeras en jugement. Mission au Christ qui est dans mon kilo.
tambourika en cause dans Zambé, Zambazamala. J'ai pas beaucoup à dire. Mais. Christ vit est avec nous. Amen. Je rends toute gloire à notre Seigneur pour la paix qu'il nous a donnée. La paix qu'il a donnée aussi à ma famille, à vous aussi qui êtes là. Si nous avons chanté aujourd'hui Hosanna, tu es Dieu, c'est parce que je manque de mots à dire, mais je ne glorifie que le Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Gloire à Dieu. Je veux dire quelques mots seulement. Étant enfant de Dieu, j'ai été grandi toujours dans la foi chrétienne. J'ai été aussi orpheline de mon bas âge. Mais cela ne m'a pas découragé. J'ai servi le Seigneur depuis mon bas âge jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans la joie de voir les serviteurs de Dieu, les frères et sœurs qui se sont déplacés de toute l'Europe, qui sont ici aujourd'hui pour nous soutenir. Ouais. Cela veut dire que quand nous demandons à Dieu, nous demandons selon nos besoins, mais quand Dieu nous donne, c'est au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Avant que j'ai la grossesse de Christ vie, j'avais Elikia qui avait à peine quelques mois. Et Dieu m'avait parlé au travers d'un serviteur de Dieu que l'enfant que j'aurai sera une fille. Le prophète Prophète Mandila. Et cela s'est accompli aussi, j'ai eu une fille. Et il y a aussi une servante de Dieu qui avait eu le même message pour moi, pour Christ vie. Dieu a continué à nous parler, à mon mari, à mon époux et à moi-même, par rapport à Christ vie. Alors sur ça, vraiment, je n'ai rien à dire. Je remets toute la gloire à notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci. Gloire à Dieu. Ce qui sera et ce qui s'est fait, ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera et ce qui s'est fait, ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tanguya isengo, liwa eko zalaka tanguya kolela naleli mamie esofie okenda na yoe. Eya we yonde osala, libala eko zalaka tanguya isengo, divorce eko zalaka tanguya pasi naleli mama e papa e. Tango ya kosepela, kozanga e kozalaka, tango ya kokanisa, na kanisa nisi.
Je me réjouis toi dans ta jeunesse, mais sache que demain tu passeras en jugement devant le roi des rois et ni de ses propres biens, car tout ce que l'on trouve ici-bas, on ne l'amène pas dans le séjour des morts. Nous ne sommes que des simples gérants. Kumama Yahweh, Olonga Mokili, Kumama Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bienvenue encore une fois de plus sur Casarema Télévision. C'est vrai, vous constatez l'endroit où nous sommes, ce n'est pas une salle de fête, évidemment. La Bible nous dit qu'au jour de la mort, il faut réfléchir, ça c'est Ecclésiaste qui nous le dit. Aujourd'hui c'est le jour de la mort a frappé dans la famille d'une chantre de l'Éternel qui est une sœur à nous. Et voilà pourquoi l'équipe de Casarema s'est déplacée depuis Paris pour venir ici compatir, pleurer ensemble avec la famille de notre sœur immaculée et papa Roger. Alors ici j'ai le pasteur, l'apôtre Eddie Alanga qui s'est déplacé depuis la Belgique et qui est venu ici pour apporter son soutien à la famille. Alors sans plus tarder quand même, j'aimerais avoir ses impressions par rapport à tout ce qui s'est passé, bien que c'est vrai que c'est douloureux. Que Dieu soit loué, merci beaucoup à Casarema d'être ici aussi pour accompagner cette famille. C'est une famille de serviteurs de Dieu. Si nous sommes ici, c'est parce qu'ils ont servi des années le Seigneur au sein de notre église. Et ils continuent à servir le Seigneur au sein de cette église-là. Mais parce que la mort a frappé au moment où on ne l'attendait pas, ça nous a tellement choqués. C'est pourquoi on a dit, on va tout laisser. Moi-même, j'étais en voyage, mais je suis revenu rapidement, juste dans le but de participer à cet événement et à encourager la famille. Un enfant qui a encore séjour devant elle. Et elle va partir comme ça, donc c'est vraiment regrettable. Donc bon, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est dire que le Seigneur soit glorifié, parce qu'il nous dit dans toutes circonstances, ce que nous devons faire, c'est juste glorifier son nom. Alors, papa Samaritain Toudi, loué là ici, notre parrain. Papa, vous avez assisté la famille depuis le début jusqu'à présent. Je sais que le mot vous manque sûrement, mais qu'est-ce que vous pouvez dire pour encourager la famille? Non, mais bah moi, pour qui qu'on m'inquiète, mais ça passe. C'est vrai que y a pas de mots pour encourager la famille, mais ça passe parce que qu'on perd moi dans yo, c'est dur, c'est très très dur. Mais réconfort, n'abuse pas que et si comme moi n'accueille, et si comme surtout qu'on kende, ça dit que moi na azali, moi na mouké, azana 3 ans, aïe bélo comme mon côté. Ça dit que Azali au sein d'Abraham biso de tikaline do kanisa parce que biso peut to kende to bana ko soigner bomo ina biso to bana ko soigner même ko contrôler ba jour na biso awa na sena mabele. Mais c'est vrai que sa famille autour ko entouré immaculé na Roger, c'est vraiment la famille. Pasteur Pierre Roger, vos sentiments, vous êtes déplacé quand même de loin de la Belgique pour arriver jusqu'ici, alors vos sentiments par rapport à cette perte? Merci pour la question. Vraiment un sentiment de douleur, donc pour dire vrai, donc parce que nous sommes de la famille, donc nous sommes éprouvés pour cette tragédie d'une perte d'une fille à l'âge de 3 ans et demi. C'est pas une chose facile, mais ce que je connais dans la parole de Dieu, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Comme les parents sont dans le Seigneur, donc toute la famille sont sauvés. Donc cet enfant est entre les mains du Seigneur. Il y a tristesse. Parce que on a couvert sa pinza mouana. Sa mouana nangaï, Christ est vie. Donc je ne peux que partager le sentiment et la tristesse. Attends que Moutonanzoto. Même si tu es vécu un jour, Christ a promis sa résurrection et a promis sa vie éternelle. Tu es au monde. Mais dans d'autres, il y a une séparation qui est passée. C'est ça.
Mais ce n'est pas le mot parce que ça, papa, c'est comme moi, Christ vit. Christ vit. Même s'il y a Koufi. Mais ce qui me rassure, c'est que Christ a vivre encore. C'est ça. Oui, de tristesse, beaucoup de tristesse. La tristesse, c'est que c'est une séparation qui était douloureuse. Mais Dieu a voulu. Et nous, on ne peut rien faire contre la volonté de Dieu, en fait. Et donc, nous nous soumettons à la volonté de Dieu parce que Dieu a permis que Christ Vie puisse nous quitter. Mais la douleur était la séparation parce que j'étais avec Christ Vie à la maison, chez elle, avec ses parents, avec mes enfants. C'est une fille que nous avons beaucoup aimée et Dieu a décidé de nous la reprendre. Alors voilà, je glorifie Dieu, surtout que je connais très très bien les parents, le début de leur amour, leur union. J'ai été en quelque sorte la marraine de ce couple. Et puis Christ Vie, c'est presque une petite fille pour moi. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce qu'il a accompli sa volonté. Les mots me manquent. Sentiment, Isaïe, que c'est notre sœur, c'est notre collègue. Il fait notre travail. Vraiment, tu vois qui mawa et passi. Ndengeni nbaibu saki bisu annonce. Il y a moi na kufaki. Bonga na zaki na Bruxelles. Na zonga ki lobby na pokwa. Nde lelo na ye to kabola mawa oyo. Et quand il y a un peu de temps, il y a un patata. Tout ça vraiment na mawa ya kosakana te. Un mot pour fortifier la famille. Moi, je fortifie la famille. C'est pas nous qui décident, c'est Dieu qui décide. Ce qui leur a décidé, c'est que les lots, moi, je suis en train pourquoi dans les circonstances, je suis en train de 3 ans. Mokili. Et puis nous avons bien guéri, le coup nous avons pas naïe, famille zaka na courage et que nous sommes donc zaka na maboko na Zambé, Zambé y est mutakoyu pangusa, pinzoli na mawa ozaka na libota. Voilà, alors nous sommes toujours ici à Compiègne, comme vous le savez, au deuil de la sœur Immaculée ainsi que son mari Papa Roger. Et ici nous avons rencontré un homme de Dieu, l'apôtre Martin Dongala, qui nous vient de l'Allemagne, de Dorum. Précisément, il est venu ici aussi pour pleurer avec la famille. Bonjour apôtre. Bonjour maman Liz. Alors apôtre, vos sentiments par rapport à cette triste disparition? Mes sentiments sont le même que le vôtre sûrement. La nouvelle nous a tous attristés. C'était très dur, surtout d'apprendre dans quelles conditions l'enfant nous a quittés. Mais au regard de la parole de Dieu, nous devons bénir le Seigneur parce que la Bible dit en toutes choses que nous puissions rendre gloire à Dieu et nous croyons que Dieu a fixé un temps pour tout un chacun d'entre nous de vivre sur la terre. Voilà. Avez-vous un message pour la famille? Oui, pour la famille, que ce soit le frère Roger ou la sœur Immaculée, qui est pour moi une de mes filles, des enfants que nous avons encadrés déjà en Afrique dans la chorale, je ne peux que dire qu'elles tiennent bon, que la famille tienne bon, que le frère Roger, la sœur Immaculée tiennent bon. C'est dur, c'est douloureux, mais je souhaiterais vraiment que la manière dont je les ai vus passer et vivre cette épreuve depuis que je suis arrivé, que cela puisse continuer ainsi, même quand tout le monde sera parti, parce que j'estime que cela est pour nous d'un grand encouragement et même, je dirais, un modèle de vivre des temps douloureux dans la vie. Qu'ils soient forts. Merci beaucoup, apôtre. On aura sûrement l'occasion de se retrouver dans d'autres situations. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, à bientôt. Merci. Ben, ça fait mal parce qu'elle était jeune. Elle n'avait que 3 ans. Donc, c'est un choc et je pense aussi que c'est une leçon pour tout le monde. Et puis, voilà, tout simplement. C'est l'île de tristesse, quoi. On est vraiment trop émis, très émis. De près d'un enfant comme ça qui a 4 ans, ça fait toujours mal. Bon. Que le Seigneur soit loué. Lui, il a donné, il a repris, donc qu'il soit loué. Voilà. Vraiment, nous sommes très touchés. Depuis les premiers jours, quand j'ai entendu ces messages, cette mauvaise nouvelle, je ne savais quoi faire. Mais j'ai quand même négocié à partir de mon boulot pour qu'on puisse me libérer, pour que je sois ici à Compiègne. Alors, je bénis Dieu pour tous les musiciens, pour tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu qui ont quitté toute l'Europe pour venir compatir dans cette famille. Alors ma prière est que le Saint-Esprit puisse donner encore de la force à cette famille qui vient de perdre leur fille. Un mot pour la famille.
Ouais, les seuls mots que je pouvais dire à cette famille, qu'ils puissent s'attacher au Seigneur. Car Dieu, Jésus, il est le seul qui ne peut pas nous abandonner. Même si le monde, même si nos enfants peuvent nous abandonner, mais Jésus ne nous abandonnera jamais. C'est tout ce que je pouvais dire à la famille, de s'attacher vraiment plus au Seigneur. Amen. Merci, Pasteur Pierrot. À bientôt. Ok, à très bientôt. I'm gonna get you.
tapez www.casarema.fr.